Allez, on bouge plus. Voilà, je pense qu'elle peut faire un vlog grossesse à ma place. Hein. et voilà, donc je vais vous montrer en premier ce que j'ai acheté depuis que j'ai su que c'était un garçon, c'est-à-dire qu'il y a très peu de choses. Et après, j'ai acheté des choses hier après, à Primark. À Primark. Oh, on a acheté beaucoup. Oh, ouais. On a un peu dévalisé le magasin. Et donc, on va vous montrer tout ça. Allez. Voici moi. Alors, le premier achat sur lequel j'ai craqué, c'est ça. Vas-y. Voici les chaussures de mon petit frère. Montre-les bien, comme ça, là. Là. Donc, on a pris du 0,6 mois et avec cette petite ensemble. Voilà, c'est du 3 mois celui-là. Je l'ai trouvé à Stokomanie et en fait, c'était pour marquer le coup de me dire. C'est un petit mec, c'est pas une petite fille. Voilà. Non, tu l'as pas. C'est moi qui l'ai fait. Allez, donc ça on va poser. Ensuite, je vous avais montré sur Instagram, si vous voulez aller voir, parce que je vais pas les ouvrir, mais c'était des body avec des pantalons molletonnés bébé. Voilà, donc c'est du 0,2 mois que j'avais acheté. C'était des neutres. Je les avais trouvés à Lidl ceux-là, mais ça fait un très long moment ça. C'était vraiment, même si je savais que c'était une fille, au départ on me disait que c'était une fille, j'avais acheté ça. Hop. Ensuite, dans un vide-grenier, j'ai trouvé ces petits chaussons tout neufs et faits main. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté? Non, le biberon, en fait, c'était quand j'avais fait ma commande sur Envie de Fraise, il m'avait donné un biberon MAM. Voilà, et moi, vu que c'est les biberons que j'ai acheté pour Naila et que j'achèterai aussi pour ce petit garçon, donc c'est parfait, en plus c'était neutre, donc voilà. Mais celui-là je l'ai pas acheté, c'est dans la commande en fait, ils ont offert ça, c'était trop bien, j'étais trop contente. Hop. Ensuite on avait acheté quoi, donc il y a la même box que j'avais acheté pour le petit, à savoir Bonne Nuit les Chombis, ça s'appelle, voilà. J'ai fait des petites folies, enfin des petites folies, il y avait moins 60%, donc j'ai acheté, ça valait vraiment le coup. J'ai trouvé un petit manteau comme ceci. Voilà. Au final, ça m'a revenu à 5€ le manteau. L'ensemble de Winnie l'ourson, moins 60%. Le pantalon avec la avec le pull. J'ai un petit gilet Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Voilà. En taille 9 mois, celui-là, parce que je me suis dit que 9 mois, j'en trouve pas beaucoup. Donc j'ai profité d'acheter maintenant parce que c'était léger, c'était une veste légère. Je me suis dit en été, voilà. Ensuite, le reste c'était du 3 mois que j'avais pris. Ensuite, ça c'était pas soldé, mais on a craqué parce que c'était un ensemble où on était d'accord, mon chéri et moi. Et du coup, ça je vais le montrer Naila. On a pris un petit pantalon. Donc, ça c'est du 3 mois. Avec. Oh, pardon. Le petit pantalon avec le petit t-shirt. Voilà. Le Batman, je crois. Oh, pardon. Hop. Le Batman. Ouais. Voilà, qui allait bien avec. Et le petit gilet qui va avec aussi. Voilà. Tout ça en 3 mois. Ça, c'était pas soldé, mais c'était vraiment un ensemble qu'on avait vu avec mon mari. On avait craqué dessus. C'était sur un petit mannequin bébé. C'était trop chou. Et avec les petites chaussures qui vont bien avec. Voilà. On a craqué. Hier, on est allé à Lyon faire quelques boutiques à la Primark. J'ai acheté alors des bodys.
manches longues en 3-6 mois. Tout neuf, hein, basique, on va pas se mentir. Hop, ensuite, tu veux montrer ça? Oui. C'est quoi? C'est une couverture. Une couverture petit chien. Petit chien bleu, donc celle-là, on l'a acheté 5 euros, si je me trompe pas. Voilà, 5 euros, c'est un 80 x 100 cm. Voilà, on a acheté ça. Ensuite, on a acheté, ça je vais montrer, hop, un ensemble pour la maternité avec pantalon, haut, body et bavoir et petit bonnet. Donc ça c'est pour la maternité, je vais pas hésiter à le mettre étant donné que tout s'ouvre devant. Je vous réexpliquerai pourquoi j'adore les ouvertures devant pour quand ils sont au nez. Et voilà, en tout cas je ferai une vidéo spéciale pour ça, pour vous reparler de tout ça. Ensuite, ça c'est quoi, Minou? C'est un... C'est deux bonnets et deux paires de moufles. Voilà, pour la maternité, parce qu'il va nous en falloir. Et puis ça valait que 4 euros, donc ça fait 1 euro chaque truc, en fait, 1 euro les moufles, 1 euro machin. Donc on les a pris, il n'y a pas de... Voilà, c'est basique, mais on les a pris. Ensuite, on a fait plein... Ça. Donc ça, c'est des maxi-langes. Donc voilà, c'est pas la même qualité que Adan et Anaïs, mais je me dis que ça peut toujours servir à la maison pour quand je vais au parc, je mets par terre, pour dessus la poussette, pour la mailloter. Enfin, il y a plein d'utilisations des langes. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale langes, avec tout ce que vous pouvez faire avec un ange, je me ferai un plaisir parce que moi j'ai utilisé avec Naila, j'ai utilisé vachement de langes pour elle et de plusieurs façons voici différentes. Les chaussettes. Ouais, montrer bah, tout ça, toutes les chaussettes. En fait, on a pris des bornes. Hop, celle-là. Attends une minute. Hop, des chaussettes pour la maternité, des newborns. Hop, 2 euros les 3 paires à chaque fois. Et on a acheté des 6 mois, pareil. Voilà. 2 euros et 2,50 celle-là parce qu'il y a des trucs antidérapants. Concrètement, 0,6 mois antidérapants, ça va pas trop nous servir. Mais on a pris quand même. C'était trop chou la couleur, voilà. Ça va? Et voilà pour Primark. Hein? C'est tout qu'on a acheté. On n'a pas fait énormément d'emplettes, comme je disais, à Primark. Je pensais me lâcher là-bas. Et en fait, je m'attendais à des prix. Enfin, j'avais déjà vu 1, 2, 3 trucs, mais c'était pas si intéressant que ça. Il y a des trucs que je trouve à Okaidi, au Baby, pas moins cher, Kiabi, même Verbaudet, quand vous avez la carte et tout, enfin, ça vaut vraiment le coup et d'une meilleure qualité. Donc, je me suis pas lâchée, j'ai pris vraiment des choses que j'aurais besoin et voilà. 1 minute. Oui. Et ben c'est tout bon parce qu'on n'a pas acheté grand chose hein, pour le petit quand même encore. Ouais. Et puis moi, nous on vous fait des gros bisous. Hein. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je reviendrai pour faire un vlog grossesse.